Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Axelus pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec Neopac et non pas avec Orsir parce qu'en fait il est parti et tout ça tout ça. Et on se retrouve pour le deuxième essai du Lord of the Moon. Et c'est quoi ce que t'as là? C'est quoi l'espèce de truc là que t'as peut-être là? L'œil. On dirait l'œil du Lord of the Moon là, non? Suspicious, eh oui. Ouais, c'est qu'en fait on l'a pas encore battu en fait. Ah mais c'est Lord of the Moon, non, je te le donne par hasard. Si c'est lui, tu vas virer ça, moi je te le dis. C'est juste pour faire joli. Ok. Bon, ça marche alors. Ok, ok. Donc en fait on a terraformé tout ça, on a fait quelque chose pour faire un peu plus de... voilà quoi. Et donc on va retenter. Et je sais pas comment... c'est comment que t'as fait pour avoir l'item pour invoquer le boss? Ah ok, on utilise les fragments. Ok d'accord. Ouais vas-y. Vas-y, invoque. I'm ready. Donc on a fait une petite aménagement. Et ça c'est l'arène que Neopac m'a conseillé de faire. Donc on a fait juste avant. Pour tout simplement tester le boss pour voir si comment ça marche et tout. Comment ça marche, s'il ne bute pas, etc. Voilà. Bon. Donc il va donner quelques conseils aussi. Et le mec il s'enflamme. Et en fait la dernière fois j'avais la musique de... j'avais la musique en fond de la nuit parce qu'en fait ici là il y avait la boîte à musique de la nuit qui était restée bloquée, donc du coup en fait ça je ferai une autre vidéo pour expliquer ça. Bon. Allez. Le boss. C'est l'heure. En fait on bouge pas. On bouge pas, on reste là. Ouais, non, c'est avec le yo-yo et on a vraiment beaucoup d'accessibilité. Oh, le flash, bang le bord. On tape lequel, on tape celui de droite. En haut, ok, ça marche. Je me suis pris pas mal de dégâts dans le cul là. En fait c'est le laser qui fait pas mal de dégâts en fait. Donc si vous êtes tout seul normalement, si vous appliquez cette technique, vous avez des chances, enfin vous augmentez de assez, de manière assez grande vos chances de tuer. Bon, c'est mal. Oui, c'est bien. Donc on a mis l'infirmière en dessous pour qu'au cas où s'il y a vraiment des mal de vie. Donc on met un, en fait il faut mettre les trois yeux en rouge et après hop ça marche. C'est magique. Bon. Et ça fait quand même les dégâts j'ai l'impression moi. Ok, c'est moi le focus en fait. Ouais, d'accord. Attends, je descends un peu. C'est bon. Qu'est-ce qu'il faut? Donc Neopac m'a dit qu'il faut se solo comme ça. Donc, normalement, ça devrait passer. Oui. Ça devrait passer, oui. Easy peasy. Il y a un silence pesant, je suis désolé. Hein. Mais bon, voilà quoi. Je sais pas si la dernière pièce il y avait eu la musique, je sais pas, je pense pas. Parce qu'il y avait la boîte à musique et tout sur le... Comment on n'y arrive pas, la vie elle remonte, je crois.
Ah il a 17 000, ça roule. Là on continue à taper ou on focus un autre? On tue l'œil. Ça marche. Changement de plan. Ça roule. Je t'ai dit qu'il bouge pas trop, c'est lui. Par à la mienne là. Oh, le sou. C'est un mauvais cardin. Je sais pas qu'il y avait le. Ouais, en fait avec le fond là on peut pas voir s'il y a les câbles sur nous. 2000. Non, ça en agresse lequel? Celui-là là. Celui de droite. Est-ce qu'il a moins de vie là? Est-ce que c'est une bonne idée que je le mette sur toi? C'est pas tué là. Ça je vois que t'as besoin de vie. En fait l'œil c'est terrible les négatifs. Tu touches là en fait. T'as ce mot, il est à 300 de vie là. Putain. C'est énorme, 80. Ouais. C'est bon, on a tué le deuxième œil. Donc je suis désolé, il y a vraiment un silence là, c'est vraiment parce que c'est un boss très très compliqué. Là, il t'a. Ah, bizarre. Là il y a même le lit qui est noir. Aïe. Non. Là. Hello. Ok d'accord. Je remonte. Là je crois qu'on est bon là non? Là on le tue facilement. N'écris pas. Oula. Donc là c'est un peu la misère. C'est la misère. Reprendre la vie. Voilà. C'est une misère. Et du coup pour le cœur là on est cramé là. Mec là mon gars là c'est la misère là. Mec c'est trop chaud à deux mec. C'est impossible. Il a 50 000 c'est tout. C'est impensable comment c'est fait.
Mec, là, il est remonté de la vie et tout. Putain, c'est bien. Putain, c'est merdier. En fait, ce que tu fais, c'est que tu peux t'accrocher avec le grappin, genre au bois, et genre après tu te mets sur la nasse. C'est bien, c'est une idée. De vie, c'était là. Le piscine fait 0 dégâts. Donc, je passe un bon moment là. Regardez-moi ça, je tue le boss alors que lui il fait 0 par les gars. T'es là? Si t'es là, n'écris pas. Ok, c'est bon. Nique-toi juste. 10 000 de vie là. Là on est bon, 6 000, 5 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000. Il est bientôt mort, Oh, ça vient rond. Oh mon dieu! On a battu le bout de l'homme, mon gars! Oh mon dieu! Ouais, bon, il était surtout très lent, quoi. T'as du loot? Vas-y, envoie tout. Attends, vas-y. On va envoyer tout ça un petit peu à un endroit un peu moins à la vue. Vas-y, parce qu'il y a trop de bordel ici. Vas-y. On va se mettre tranquillement. Voilà. Vas-y, envoie. Y'a que ça? Ok, de la luminite. Il y a où le portal gun? Attends. Y'a que ça? Ah! Désolé. En gros c'est un bouton pour... Ah, attendez. Ah non. Attendez, ça veut dire que... Attendez. Mais non mais je veux juste... Voilà. Hop. Ah c'est plutôt sympa en fait ce truc. Ensuite il y a quoi? Il y a l'épée... Oh elle fait du 240 l'épée. Elle est hyper puissante. En plus elle est mis en 4. Ouais, trop kawaii. Oh mon dieu, c'est magnifique. C'est magnifique. Attendez, on va juste voir ce qu'on peut faire avec, avec les items qu'on a. Enfin l'item qu'on a droppé. Comment on fait les barres en fait? Ben je sais pas. On verra ce qu'en disent les abonnés. Comment on fait pour faire fondre le truc là, les barres? Ah oui non mais ça éclate les non? Ça va être l'atelier je pense, attends. Vas-y. C'est au donjon que je l'ai laissé. Quand j'ai battu le cultiste. Ah bah bonjour vous. Quand j'ai battu le cultiste. Ah on peut faire plein de trucs. 18 barres. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah ouais, super, on peut faire des armures et tout. Donc ce qu'on va faire les potes, c'est que je pense qu'on va un peu farmer tout ce qui est pilar, tout ça, dans les mesures du possible. Donc on va juste conclure en fabriquer un petit quelque chose, voilà, pour que ce soit sympathique, quoi. Que vous ayez quelque chose à voir. C'est quoi? Est-ce que c'est bien le Stardust Dragon Staff? C'est sympa? Oui, bon, on va crafter alors. Je crafte. Ça, c'est un dragon de compagnie. Ah d'accord, putain, c'est super. Ok. Bon ben du coup je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui les amis. Donc ça a été une vidéo un peu longue, je suis désolé, ça a été un calme, mais bon, c'est un peu le boss le plus puissant du jeu, donc vous comprenez que on était que deux, donc du coup.
soit on le retente un peu, je tenterai un peu plus tard avec les abonnés, pour avec vous, si vous avez envie, pour le rebattre, pour tenter un coup de maître. On va le battre en battre un temps record. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va se laisser là, et peut-être que dans les prochains épisodes, ça va être soit des invasions de type glaciaire et pumpkin. En plus, c'est Halloween, tout ça, c'est dans les environs, donc du coup ça va être sympa. Et donc moi je vous dis ciao, salut à tous, et à la prochaine les amis.